Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 Alpha Omega. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment améliorer votre pistolet laser Mark 2 en pistolet laser Mark X je crois, ouais c'est ça. Non c'est Z, en pistolet laser Mark 2 Z. Alors première chose que vous aurez besoin c'est d'une carcasse de pistolet laser. Donc si vous ne savez pas comment réaliser cette carcasse, donc tous les emplacements des pièces et tout ça, si vous ne savez pas comment récupérer toutes ces pièces et tout assembler, j'ai une playlist en description qui vous explique tous les tutos du DLC 3 Alpha Omega, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors ensuite, pour améliorer votre pistolet laser, vous devez avoir la carcasse et ensuite vous devez avoir la bombe incendiaire pour avoir le pistolet laser Mark 2 Z. Donc il faut bombe incendiaire, donc l'élément sur votre arme. Quand vous avez sur votre arme l'élément, vous allez regarder dans la maison verte, donc il y a un premier emplacement d'armoire qui pourrait être là. Donc s'il n'est pas là, eh ben, il se trouvera dans la maison jaune. Donc il y a deux emplacements, je pense qu'il n'y en a pas plus. Donc c'est obligé dans une armoire et là, dans cette armoire, elle se trouve ici. Donc vous allez devoir tirer avec votre bombe incendiaire, votre arme bombe incendiaire sur l'armoire pour la cramer et récupérer le chargeur. Quand vous avez le chargeur, vous allez regarder au-dessus des maisons, des six maisons, et vous allez voir qu'il y a une fumée violette, mauve comme ça. Et ce que vous allez devoir faire avec cette fumée, c'est lancer une grenade sur cette cheminée. Donc une grenade spectrale, donc je sais pas si je vais bien la lancer. Je pense que je l'ai mal lancée. Alors on va essayer de changer d'angle pour essayer de bien viser la cheminée. Donc c'est possible que ce soit sur n'importe quelle cheminée, hein. Ça peut être sur n'importe laquelle. Donc ce que vous devez faire, c'est lancer une spectrale, mais franchement ça va être quand même compliqué, hein. Essayez comme ça. Ah c'est beaucoup trop bas. Faut que je lance un peu plus haut, hop. Je crois que là c'est bon. Non, faut que je lance encore plus haut je pense. Alors je pense que j'ai trouvé une petite idée pour réaliser cette étape. C'est que vous vous collez à la cheminée, voilà. Vous regardez le plus haut possible. Et là vous lancez le truc comme ça. Et là, est-ce que ça a fonctionné? Excellent. Réchauffer cette... Donc ouais, franchement, c'est la meilleure solution, les mecs. Ça a fonctionné. Faut vraiment faire comme j'ai fait. Et là, ensuite, vous allez tout simplement mettre votre chargeur ici. Et là, vous allez devoir tuer des zombies pour alimenter le chargeur. Comme ceci. Ok, donc quand vous avez chargé assez la batterie, vous la récupérez. Et ensuite, vous retournez en face de la maison bleue. Donc dans le spawn, dans la maison orange. Et là, vous allez pouvoir crafter le nouveau pistolet laser qui est le pistolet laser Mark 2 Z. Voilà, c'est le Z. Voilà, comme ceci, hop. Donc faites attention parce que ça peut remplacer une de vos armes. Ensuite, quand vous êtes, quand vous avez amélioré votre pistolet laser, on va aller l'améliorer encore une fois, mais d'abord on va voir son efficacité. Ok. Donc c'est un peu un shotgun quoi. Ça tire une balle qui en tire plusieurs quoi. Donc ça a le même effet qu'un shotgun. Donc on avait une histoire de 70 balles. Et là on va aller l'améliorer pour voir ce que ça fait. Donc c'est parti. Ok, donc on l'améliore. Voyons voir. Voyons voir. Et là ça nous donne le porteur, un pistolet Mark 2 porteur Z2. Mark Z2, voilà. Alors on peut voir qu'on a le double de munitions. Même un peu plus que le double je pense. Je pense qu'on a 142 munitions. Et quand on tire, ça fait toujours le même effet. Ok, donc on peut tirer, franchement c'est un shotgun, mais rapidité super rapide. Et avec plus de munitions, donc ça c'est cool. Par contre celui-là ne se recharge pas automatiquement, donc on n'a pas des munitions limitées. Franchement il a l'air franchement efficace contre les boss, hein. Franchement je pense qu'il va être super super efficace contre les boss, donc voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.